Ils sont sur un petit nuage. Pour les 30 ans de Marion Rousse, ce mardi, la jeune femme était entourée de son cher et tendre, Julien Alaphilippe, qui se remet doucement du Tour de France, et de leur bébé, Nino, né le 14 juin dernier. Un petit cocon familial que les deux sportifs ont partagé sur les réseaux sociaux, pour le plus grand bonheur de leurs abonnés. Pour fêter l'anniversaire de sa moitié, Julien Alaphilippe a publié une photo de cette dernière tout sourire avec son fils Nino dans les bras. Au premier plan, une énorme part de fraisier. Sur une seconde photo, on peut voir le couple subjugué par le petit bébé tout de bleu vêtu, qui a récemment fêté ses 2 mois. Joyeux anniversaire ma Marion. Love you, indique la légende. De son côté, Marion Rousse a elle aussi marqué le coup sur Instagram en postant une photo sur laquelle on aperçoit partiellement le visage du petit Nino, qui fait une adorable grimace tandis que sa maman lui embrasse le bout du nez. Un bisou pour Nino, un bisou pour papa et un autre pour maman. Bref, un anniversaire parfait. Merci à tous pour vos messages, a commenté la jeune femme en légende. Devant tant de mignonnerie, les internautes n'ont pu s'empêcher de commenter la scène. Vous êtes magnifiques tous les trois, une très jolie famille, franchement vous êtes tout beau, beaucoup de bonheur à vous, peut-on lire sous la publication. Marion Rousse et Julien Alaphilippe, après le Tour de France, les retrouvailles. Une chose est sûre, après un Tour de France survenu juste après la naissance de Nino, Julien Alaphilippe et Marion Rousse sont heureux de pouvoir enfin se retrouver tous les trois, loin des cols et des maillots jaunes. La jeune femme avait d'ailleurs célébré ses retrouvailles le 20 juillet dernier à travers une photo du cycliste embrassant son bébé. Retour à la vraie vie avec mes deux hommes, avait commenté l'ancienne championne de France.